Voilà. Heureux. Je sais pas si je vais le finir aujourd'hui, hein. On va rester. On va avancer le plus possible, hein. S'il faut, on le finira en deux lives, hein. Moi, je suis pas un speedrunner. Je prends mon temps. Je prends le temps d'apprécier les choses. On est ensemble, on parle ensemble, on joue ensemble. On va prendre le temps tranquille. Ah oui, toujours, hein. Console et jeux de ma collection, pas d'émulation. Tout ce que je stream, c'est matériel d'origine. Console, jeux, accessoires, tout. Toujours. Ah, j'ai investi pour, hein. Donc, comme je suis collectionneur aussi, j'aime avoir l'objet et j'aime l'utiliser. C'est ça quoi, tu vois, moi c'est ça. De toute façon, je pense que je vais revenir cet après-midi, hein, si on finit pas ce matin, quelque chose. On finira tantôt. Tant qu'Internet me le permet. On va pas se priver, quoi. Et toi, vu que tu streams, tu fais quoi? Tu fais de l'émulation ou tu streams tes consoles et tes jeux? Après, j'ai rien contre l'émulation, hein. Ça dépanne, hein. J'en ai fait pas mal, hein, pendant pas mal d'années. Hein. Mais dès que j'ai eu l'occasion d'investir dans ce que je voulais. Terminé. Je fais tout ce que j'ai dans ma collecte. Bon, c'est pas un délire, hein. C'est une passion. C'est quelque chose que j'aime. C'est l'original, quoi. Après, il n'y a aucun risque. Pas une question de risque du tout. C'est une question de moyens. C'est une question d'investissement. Rien à voir avec un risque. Il n'y a aucun risque. Quel risque? Le risque que ça fonctionne pas. Ce serait le seul risque. Et il n'y a pas de raison. Quand on sait ce qu'on fait. Bref, moi, chacun son truc plutôt. Parce que c'est pas un délire. Ce n'est pas un délire du tout. Donc tu fais de l'émulation, quoi. C'est pas une critique. C'est pas une critique. J'en connais pas mal qui font de l'émulation et qui font un super travail avec, d'ailleurs. Aucune critique là-dedans. Après, ouais, c'est chacun son truc, quoi, c'est sûr. Certains. Nos problèmes. Moi, j'aime avoir l'objet et m'en servir, quoi. C'est mon trip, quoi. C'est mon truc, quoi.
Ah le bâtard. Ah ouais, ça sonne mieux, ouais, parce que bon, c'est pas un délire, quoi. Ah, en ce qui concerne les bornes d'arcade, ouais. Mais j'aime beaucoup l'arcade aussi. Après, si je veux faire de l'arcade, j'ai une super rétropie, hein. Ça reste de l'émulation, mais c'est une console. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je fais des soirées rétro... Je me sers de la super rétropie, hein. Je vais pas brancher et débrancher et rentrer chaque jeu à chaque fois. Déjà ça abîmerait trop. Alors, faut pas que je joue trop vite comme ça. Pas que je joue trop vite mon nono. Joue pas trop vite nono, t'as le temps. Ça va le live pour vous, le son de ma voix, le son du jeu, tout va bien? L'image, tout. Ah, je suis toujours soucieux de ça. Ok. Ouais, je connais Fight Cad. Non mais t'as raison. T'as clairement raison. C'est de dire... Attends, des fois, faut pas se faire chier non plus, quoi. Hein, faut pas... Pas exagéré. Bah, t'inquiète, je comprends. Mais en ce qui concerne les consoles, bon bah voilà. Après, c'est une question d'investissement aussi. Tout ce que j'ai, moi, ça s'est pas fait en un jour. Hein. J'ai eu des années à avoir tout ce que j'ai, quoi. Surtout que j'étais collectionneur quand j'étais gosse déjà. J'ai perdu beaucoup de choses et j'ai revendu beaucoup de choses et troqué beaucoup de choses. Là, ça fait presque 3 ans que j'ai recommencé la collecte, tu vois. Je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien d'époque. Donc tu vois, j'ai de quoi faire, hein. C'est loin d'être fini, quoi. Tu vois. Y a de quoi faire. Je peux te dire que des jeux, il m'en manque. Hein. Les consoles, ça va, ça commence à. Ah oui, ça c'est, ça pourrait m'intéresser. Ça. Clairement. Ça, c'est super sympa, ça. J'aime ce genre de choses. Bah, c'est le partage, hein, c'est le partage. Hein. C'est le partage. Remontronne. C'est le partage, hein, les amis. C'est ça qui est important plus qu'autre chose. Hein. Là, par exemple, pour ce jeu-là, on tourne en 60 Hz. Vous voyez? Donc j'ai le Mega Drive de switcher, parce qu'en 50 Hz, c'est un peu lent, je trouve. Donc j'ai le choix, quoi. Vous voyez le délire. Et ça bouge pas, hein, comme vous le voyez. Hein. Ça bouge pas une oreille, hein. C'est ça qui est bien d'avoir une Mega Drive switchée, quoi. C'est le bon plan. Tu choisis, quoi, en fonction de tous tes jeux, quoi. Je peux tout lire, donc.
Puis des fois, avec l'émulation, il y a beaucoup de soucis. Avec le matériel d'origine, tu n'es pas emmerdé, hein. Faut bien dire ce qui est quand même, quoi. Merde. Ah, pas trop vite quand même. J'ai tendance à aller trop vite des fois. Quand je dis je vais trop vite, c'est que je vais trop vite. Vais refaire une capture. J'aimerais trouver une console MSX avec le jeu Time Pilot. Ah ouais? Moi j'ai commencé par l'Atari 2600. Avec Mario Bros et Pitfall. Je sais pas si tu vois le truc. Je ne sais pas si tu vois le délire. Je l'ai pas eu moi, c'est pas moi qui l'avais, c'est un voisin qui l'avait, un pote, pote d'enfance. Du coup, bah après, bah, j'ai eu toutes les consoles existantes plusieurs fois. Salut mon Dai, comment vas-tu? On fait une petite capture parce que des fois il y a des petits sauts de résolution, rien de bien important. Ça dépend du jeu. Ah ça va et toi, Dai? On a fini Castle of Illusion là, il y a pas... y a 10 minutes de ça. Du coup, on se fait le petit quickshot des familles. Ouais, bah ouais. On se fait plaisir et on essaie de faire plaisir aux autres. Ah bah World of Illusion, bah faudra que je me l'achète. Il y a des points de chaîne pour proposer des jeux, les gars. Il y a des points de chaîne. Les jeux proposés, je les achète, n'oubliez pas. N'oubliez pas ça. Les jeux proposés avec les points de chaîne, je les achète et je vous les stream. Je ne fais pas d'émulation, vous le savez. Donc voilà. Si tu veux proposer, hein, t'as assez de points de chaîne, n'hésite pas, j'essaierai de me le pécho à pas trop cher. Ah bah voilà, faut venir plus souvent. La fidélité est récompensée. Toujours. Une récompense de fidélité. Et tu comprends que je peux pas mettre moins pour les points de chaîne, parce qu'imagine tous ceux qui me proposeraient des jeux. Déjà que j'en ai à faire comme à proposer, déjà. Qui m'en reste. J'en ai même à continuer et à finir donc. Ah mais t'inquiète hein. Oh là, c'est pas pour ça que je dis ça moi. Y'a aucun problème. Tu viens quand tu peux mon ami. Tu sais très bien. Moi je suis pas comme ça moi. Chacun a sa vie hein. C'est tout à fait normal. Ouais, c'était original à l'époque. Hein. Bon, ça l'est encore aujourd'hui. Hein. Merde. Oh, ouais, mais non. Moi, c'est la glissade qui m'a toujours fait délirer. Vraiment. Merde. Oh non! Oh là là, merde, j'ai fait n'importe. Dégoûté. Il me reste un point de vie.
Pour une fois que Donald est sérieux dans un jeu et qu'il n'est pas colérique. Ah si, si, il est colérique quand il mange du piment. Bah tiens, regarde même là la pause. Il est colérique là. C'est Donald. Ici, il est colérique. Merde. Il est plus dur que Castle of Illusion, hein, celui-là. Hein. Il n'y a pas photo là-dessus. Hein. Ah, j'aime beaucoup. De toute façon, les jeux Donald, ils sont vraiment excellents. Même celui sur Master System, là. Lucky Dime Caper, là. J'avais fini en live, celui-là, j'adore. Franchement, alors je pense que ce serait Mickey parce que j'ai plus de jeux Mickey, que j'en ai fait plus de jeux Mickey aussi. Vraiment. Ce serait Mickey. J'ai plus de nostalgie avec Mickey aussi. J'ai fait beaucoup plus de jeux avec Mickey aussi. Il y en a pas mal des jeux Mickey, hein, faut pas croire. Hein. Des jeux Donald aussi, remarque. J'en ai fait moins. J'en ai fait deux jeux Donald. Celui-là et celui sur Master System. J'ai testé aussi Mouet Mallard, qui est excellent. Oh, c'est une tuerie ce jeu. Mais voilà le prix qui vaut, quoi. Alors, Mickey, j'ai fait le Wild Adventure. Ouais, Mickey Mania, quoi. Mickey Wild Adventure, c'est Mickey Mania. Castle of Illusion, World of Illusion. Les autres, non, à part les Kingdom Hearts. Il y a Mickey Donald et Dingo. Je te conseille de faire Magical Quest, alors. Sur Super Famicom ou sur Super Nintendo, comme tu veux. Hein. Celui-là, mon ami, c'est juste une pépite. Je l'ai fait en live il n'y a pas si longtemps que ça. C'est juste une pépite. Signé Capcom. Alors celui-là, mon gars, il est pas très long, il est pas très dur. Franchement, c'est une pépite. Ouais, bah fais-le sur émulateur, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, ça sert à ça. Hein. Ça sert à ça en vrai. Tout le monde n'a pas les moyens. Moi non plus d'ailleurs. Je dis ça comme si j'avais les moyens, mais non. Non, non, j'ai mis du temps. Ah bah, si t'aimes bien les Mickey, vu ce que t'as fait, celui-là, faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses, celui-là. Il a des déguisements et tout, enfin franchement, pff, une petite pépite. Pas très long, pas très dur. Franchement. Sans prise de tête. De rien, avec plaisir. Si je peux faire partager des bons jeux aussi, hein, c'est un petit peu le but. Hein. Franchement, c'est un bon truc. Là, j'ai déjà pas mal de jeux à faire. Oh là, ouais, moi aussi, même pour finir 2020. Hein. Donc, je profite d'avoir un petit peu de connexion Internet, vois-tu. C'était compliqué ces derniers temps. Putain, t'es sérieux? Quand je reproche un truc à Donald, il est lourd. Il est très lourd du cul. Il est très très lourd du cul. Ah ouais? Moi, je peux pas me permettre de faire le programme spécial. À part que c'est toujours le même programme. Faire tous les jeux de ma collègue et les finir, quoi. Après, ça varie. Ouais, bah, je l'ai sur Super Famicom, moi, Barak. Je l'ai sur Super Famicom. Hein. Un indispensable.
Un indispensable, hein. Version japonaise, 60 Hz. Juste une dinguerie. Déjà, rien que tu vois la jaquette. Rien que tu vois la jaquette, déjà, t'as tout compris, quoi. J'en ai rentré pas mal et j'en attends encore. Enfin, le Jap, je me calme un petit peu. Sur le japonais, je me calme un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, Dai. C'est coop, hein. D'ailleurs, le meilleur, c'est de faire en coop ce genre de jeu. World of Illusion, Astérix Obélix, c'est le plus fun, hein. C'est le plus fun. C'est le plus fun. C'est sûr. Comment ça me fait chier avec ces ventouses, lui. Pas que je me précipite aussi, faut bien dire ce qui est. Pas que je me précipite. Oh là là, je dis ça, puis qu'est-ce que je fais, hein? Qu'est-ce qu'il fait, Nono? Bah, il se précipite. Personne avec qui le faire, malheureusement. Bah, c'est dur de trouver quelqu'un à faire des jeux rétro en coop aujourd'hui. Hein. C'est très dur, c'est très dur, c'est très dur. Maintenant, la majorité des gens, ouais, c'est... Voilà, c'est pas une critique, hein, mais bon, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Oh, tu vas monter ou quoi, trop de balles? Donc voilà, quoi, ouais. Merde. C'est compliqué effectivement de trouver quelqu'un aujourd'hui avec qui faire du coop sur ce genre de jeu, quoi. Hein, c'est. Il est trop. Ah, c'est un gros lard. Hein, il est trop bouffé de je sais pas quoi, mais il a trop bouffé toujours. Salut Dingo. Normalement, il va me donner la ventouse rouge. Voilà. The Red Plunger. Ah, c'est un gros cul. C'est un gros cul de merde. Oh, le mec. Ça, c'était original aussi. Hein. Les ventouses rouges. Des piments. Des piments. D'ailleurs, la référence à ce qu'il mange, elle est tout au début du jeu. T'en prends 5 et il s'énerve et devient invincible. C'est des piments, Donald. Vu qu'il est tout le temps vénère, comme tu le sais. Donc c'est ça, en fait. Ah, je crois qu'on pourrait faire un petit raccourci. Bon, non. Non, mais Quackshot, il est vraiment excellentissime, quoi. C'est... Moi, ça me fait super plaisir d'y rejouer, quoi. Ouais, voilà. Et puis, surtout en coop, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est chaud, quoi. Ah, sur GameCube, je connais pas du tout, par contre, le Donald. Et je te dis, fais celui sur Master System. Tu vas pleurer. Franchement, il est excellent. C'est... Franchement, hein. C'est... Je te garantis, quoi. Ah, tu peux me faire confiance. Il est excellentissime. Franchement. Je suis sûr que t'aimerais. C'est... Mais il est assez dur, hein. Surtout le gameplay. Surtout le gameplay, en fait. Il est pas très long. Pas très dur en soi le jeu, mais alors la maniabilité, aïe aïe aïe. Accrochez-vous. Hein. Pire que lui. Hein. Pire que lui. Hein. Je vous le dis tout de suite, quoi. C'est, y a pas photo, quoi.
Mais bon, on y arrive, hein. C'est pas impossible, quoi. Ah, vous avez compris, hein, ce que je fais, faut revenir en arrière. Hein. Vous avez bien compris. C'est ça qui est chiant parfois. Faut faire attention. Alors, je te fais confiance. Je le ferai, pourquoi pas, après mon let's play de DBZ. Bah ouais, non, franchement, après, fais-toi plaisir, hein, si t'aimes les vieux jeux comme ça. Franchement, je peux pas te donner d'autres meilleurs conseils, quoi. Clairement. Je peux pas. Franchement, hein. Très très lourd. Hein. Alors. Et c'est pour ça que je balade sur les chaînes rétro pour trouver des passionnés. Bah moi c'est un peu pareil en fait, hein, quelque part. Quelle est l'arme la plus improbable? L'appareil photo de Project Zero. La ventouse à chiottes, clairement. Ouais mais c'est pour ça, tu vois, c'est ça qui est bien d'aller sur les autres chaînes. On apprend à se connaître et puis... partage des choses ensemble. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est très bon, quoi. C'est le but en même temps. Bah bien sûr, ouais, tout est bon à prendre, hein, tu sais. Allez. Et en foireuse. Ah bâtard. Moi, c'est la glissade qui me fait délirer. Regarde la tête qu'il fait, regarde. Allez. Ah, bien sûr. Ah, j'ai fait le naze. Je crois qu'il y a un truc en haut. Que dalle! Ah oui. Ah, j'adore ça aussi, les beat'em up. J'adore ça, sur Super Famicom. Les meilleurs, les meilleurs. C'est les Japonais les meilleurs. Il n'y a aucun mystère là-dessus, je vous le dis tout de suite. Faites-moi confiance. Me faire confiance là-dessus, pas de problème. Ah, ce niveau avec la petite musique sympa fait penser à Darkwing Duck. Ce passage, je sais pas si vous connaissez Darkwing Duck, un jeu que je vous conseille aussi, hein. Sur NES, Darkwing Duck sur NES. Bah bien sûr, mais il est jamais trop tard, on est là pour ça aussi. Hein. Les bubblegum, ça c'est pour casser les pierres dans les châteaux. Ouais, c'est ça.
J'appelle, je crois que c'est Géo trouve tout celui-là. Il est excellent ce niveau. À l'époque, tu voyais ça. Même aujourd'hui, ça marche bien. Ça marche bien encore aujourd'hui. Pipi. On t'aide pas quand même. Et merci pour ton follow, Barak. Bienvenue chez les Rétro Gamers. Tu fais partie de la team. Hey, salut mon petit cyber, ça va et toi? La patate. Ah. Ah, ça bosse. Ah, le travail, c'est la santé. J'ai bossé un petit peu aussi il n'y a pas longtemps, de nuit, comme je disais. Ben, je j'ai jamais fait ça. Merde. Et on avance bien. Donc Cyber, on a fini Castle of Illusion en même pas une heure. Juste avant. Il fait partie de cette compile. Je te montre parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'ai pris le combo Castle of Illusion et Quackshot. Donc là on stream la Mega Drive 2 switchée. Japonaise, US et PAL. Que tu sais peut-être pas, mais j'ai mis sur Discord, t'as peut-être pas vu. Et je me suis chopé un pack Mega Drive 2, donc. Donc voilà. Ah! Ah, comme je dis, moi, j'ai jamais eu de guéguerre avec Sega Nintendo, j'aime les deux, donc. Ah bah oui, hein. Ça va être du lourd. World of Illusion, hein, c'est rad. Ah bah, tu vas découvrir, mon ami. Ah là là, tu vas te faire plaisir. Moi, j'adore Sega aussi, attention. Ma console, c'est la Super NES, hein, y a pas photo, mais... J'adore Sega. Un grand fan de Sega aussi. Ah, j'aime le jeu vidéo, quoi. Si t'aimes le jeu vidéo et que t'aimes pas Sega, t'as un problème. T'as un problème quelque part. Un gros problème, quoi. Ah oui, le requin il était chiant dans World of Illusion, ouais, effectivement. Effectivement. Ah bah oui, hein, ouais, mais ça c'est des bons jeux, attention, tout n'est pas comme ça sur Mega Drive. Ah ouais, pas mal, Barak. Moi j'ai le pack juste Mega Drive 2 japonais. Ils m'ont dégueulassé avec un gros scotch marron, ces connards, mais bon. La surprise, quand je l'ai eue, c'est qu'elle était complètement switchée. J'ai deux bitonio à l'arrière de la console pour passer du 50 Hz au 60 Hz quand je veux. Donc lire tous les jeux existants sur Mega Drive. Quoi. Tout le full set. Japonais, américain. FR. Ah, moi j'aime pas tout dans le rétro non plus. Next Gen, j'ai du mal.
Bon, après, voilà. J'aime bien Microsoft, mais alors la première Xbox et la 360 que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup la 360. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah oui, c'est vrai, on peut monter sur les bubules, non? Merde, je me rappelle plus, attends. Non, on peut pas. J'ai oublié un passage, les amis. Obligé. Ok, ça marche, mon petit Dai, merci d'être passé. Tu repasses quand tu veux, tu sais bien. Il y a nos problèmes. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi? Ouais, pas de soucis. Pas de problème. Voilà ce qu'il fallait faire, tout simplement. Alors, tu as vu qu'ils vont ressortir, hein, c'est pas Godzilla non plus. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça, ouais. Sympa pour les fans, hein. Moi, c'est pas... Voilà, quoi. Moi, je suis de Bretagne, moi. Oh, une vie. Et toi, t'es d'où? Oh, c'est dégueulasse. Quoi? Oh, les salauds. Ah oui, tu m'as dit tout à l'heure en plus, ouais, de Suisse, ouais. Ok. Je vois. Je connais pas, hein, j'ai jamais été, mais je vois, je connais de nom. Bien entendu. Aïe, bien sûr, il faut que je me mette dedans, moi. Red. Donc on a fini le petit Castle of Illusion, hein, même pas une heure, Red. Tu t'en doutais, je suppose. Bon, Quackshot est un peu plus compliqué, hein, tu le sais, hein, tu l'avais fait il y a pas longtemps. Hein. Ah, t'as vu? Bah, je sais pas, parce que tu me dis re, donc je me suis dit... T'étais pas là, quoi. Ça. Ouais, je sais. Bah, non, je sais pas si tu l'avais fini, mais je sais que tu l'as fait, ouais. Ça, oui. Juste après avoir présenté ta collection, qui est d'ailleurs assez fournie, on va bien l'avouer. Ah non, mais c'est vrai. Faut dire ce qui est. Moi, c'est pas important d'avoir une grosse collection, tout ça. Bah, j'en ai déjà parlé. Hein. C'est plus les pièces que j'ai pas eues ou que j'ai eues, que je me suis séparé, que j'ai troqué, revendu. Moi, c'est ça, moi. C'est les consoles et les jeux du cœur, quoi. Je peux acheter une console pour un ou deux titres, quoi. Clairement. Clairement.
Je suis ce genre d'homme. Je te jure, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé. Ça me rappelle Prehistoric Man avec ce système de ventouse, trampoline. Sauf que c'était... Ah oui, bien joué, exactement. Exactement, si bien. Tout à fait. Ah oui, celui-là, il est dur aussi. Hein. Le salaud. Il est dur, hein, le Prehistoric Man, attention. Hein. Ah là là, ça c'est du hardcore gaming, ça. Ah, il est dur. J'étais arrivé aux trois quarts du jeu, bon, j'avais dû arrêter, je sais plus pourquoi. Mais honnêtement, une petite pépite aussi. Hein. On va pas se cacher. Hein. On va pas se cacher, quoi. Il est très bon. Dans le genre, je préfère Joe et Mac. Hein. Ça, je le dis directement. Je préfère Joe et Mac. Ah, tu peux avoir peur. Je l'ai testé pendant une soirée rétro il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai passé 3 niveaux. Bon, c'était juste pour le fun. Hein. Franchement, hyper fourbe. C'est la fourberie. Il n'est pas dur. Hein. C'est une fourberie. C'est fourbe. C'est horriblement fourbe. Ah, t'as bien mangé, moi, le corps. Hey! Ah là là. Ouais, il est pas dur, Spirou, il est fourbe. C'est une saloperie, quoi. Saloperie, quoi. Y a pas trop d'autres mots, en fait. Mais franchement, j'y avais pas joué, moi, étant gamin, justement. Et quand je l'ai fait, je me suis dit que, ouais, c'est la puterie, quoi. Ah, est toujours bon. Toujours très très bon. Indémodable. C'est le genre de jeu qui vieillit jamais, ça. Comme Castle of Illusion, quoi. Eh, on se calme là, les fantômes. Oh, il me touche là. Sérieux? Ah! Ah oui, 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 oh là là, là m'en parle pas. Ça, j'ai jamais fini. Hein. J'ai pas persisté, hein, attention. Hein. Mais ça m'a gavé, voilà. Je vais être honnête. Ça m'a gavax. Ça m'a gavé, c'est tout. Ça m'a vraiment gavé. Dégagé. Je vais mourir. Ah bah... Tiens. Ah ouais? Putain, Spirou, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Ouais, Tintin, ouais, il est dégueulasse aussi. Ah ouais, bon, j'ai pas été jusque là. Moi, bon, j'ai pas persisté en même temps, comme je dis. Hein. Ça m'a gavé, aussi. À moi, faut pas que ça me gave. Hein. Non, mais je suis assez persistant, mais j'ai... Je n'ai pas voulu. Simplement en fait. Putain! Non! Putain, je suis nul. Ah oui, c'est vrai qu'on. Oui, c'est vrai qu'on a. Le fameux duel à se faire.
Effectivement. Yes, bah oui, voilà. Bah moi aussi, hein, je vais être obligé de l'acheter, hein, Science Fight 2, là. Ah oui, ah, j'achèterai en loose, enfin voilà quoi, hein, tranquille. Bah moi j'ai les deux en boîte sur Super Famicom, j'en ai eu les deux 40 euros. Les deux boîtes et notices, parfait état. Ouais, il est excellent, ouais. Oh, il est pas dur. Je le finis en un quart d'heure, c'est bon. Mais c'est la nostalgie, quoi. C'est la nostalgie. Ça, c'est un indispensable pour moi. Comme beaucoup de jeux qui me manquent, d'ailleurs. Non, trop easy, franchement, un quart d'heure, je le speedrun, celui-là, sans problème. Pourtant, je suis pas un speedrunner du tout. Et c'est un jeu que j'ai fait des cinquantaines de fois, donc bon. En même temps. Ouais, c'est sympa, ouais. Bah, Elcor, il aime pas. Il aime pas. Il aime pas le dessin de la version Jap, Elcor. Tu vois? Bah, franchement, il est mieux que la version PAL, hein. On va être clair. On va être clair. Je sais pas ce que t'en penses, Red, mais. Franchement, la version PAL. Ça marche, des bisous, Elcor. La version PAL, elle est pas terrible, quoi. Hein. C'est un peu bâclé, quoi. Je préfère franchement la version Jap, moi. Hein. Mais bon, après, les goûts, hein. Les goûts et les couleurs. Ça ne se discute point. Allez, je me casse. Merde, il revient, enculé. Non, mais après, chacun, tu vois. Ah, moi aussi, grave, à mort. À mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de comparaison. Ah, je suis vraiment nul à chier, quoi. Ciao tutti. Alors, je sais plus s'il y a des continues à l'infini dans ce jeu. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. C'est marrant, hein. Je me rappelle que ce passage, même à l'époque, il me faisait chier. Quoi. Je m'en rappelle. Merde, j'ai refait la même connerie. Non, non. On s'en fout, on a le temps, on a le temps, on a le temps. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Oula. Allez, on va essayer. Oh putain, il m'a baisé la gala. Oh la petite vie. Hey, salut Emule, bah re, c'est déjà vu ce matin je crois, ouais, chez Troyeur. Comment tu vas l'ami? Ouais, après Arcade je m'y connais un peu moins, je vais pas te mentir. Hein. Ah ça va impeccable, écoute, l'internet est un peu plus stable, hein, tu vois. Donc on en profite, hein. On a fini Castle of Illusion tout à l'heure. Là, on se met sur Quackshot. Petit Quackshot des familles. Voilà. Tranquille, tranquille. Petite session, tranquille, quoi.
On va essayer de se remettre bien là, niveau vie. On va essayer. Niveau énergie, je veux dire, quoi. Oh putain! What? Oh merde! Le mec il essaie de se remettre bien niveau vie, en fait il se fait détruire quoi. Pas grave. Ouh! Ça c'est bon ça. C'est pareil, ça fait des années que je l'ai pas fait celui-là. Dessus, hein, c'est quand même fou. Ah voilà. C'était là, c'était pas en bas. Il y a plein de trucs ici pour se requinquer là. Parfait. Ah, s'il y a quelque chose en bas. Voilà, c'est cette zone de merde. Saleté de canard. Ça va, on était full. Bon passage chiant. T'en fous. Mais non, putain, mais descend aussi, merde, il est con. Ah, il y avait rien. Je croyais qu'il y avait une touche encore. Mmh.
vraiment chiant ce passage là. Mais attends, je suis en train de faire trois fois. J'ai oublié un truc là. Quoi? Ah oui, j'ai oublié de monter avec la ventouse, je crois. Ah, bâtard. Je vais mourir encore. Ah putain, incroyable. Ah putain, incroyable. M'en fous. Ça, par exemple, je me rappelais plus. C'est des trucs que je me rappelais plus, ça. Voilà. Sinon, je faisais trois fois le tour. Hein. C'était sympa. Merde. Doucement. Dans mes souvenirs, il est pas très dur. Et on fait pas le con, quoi. Ok. J'ai commencé à faire le con aussi. Il me reste une vie. Oh putain. Avec 4 points de vie, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donne pas de vie en plus, c'est un foiré. Quoi? Ah, quand même. Mais je me suis dit merde. Pas remourir encore ici quand même. Ce serait malheureux. Merci pour le GG. Bon, galérer quand même. Hein. Alors, Mexico, Transylvanie, ça s'est fait les trois. Bon, il nous reste Viking, Sospol, Égypte et Maharaja. Maharaja, je sais qu'il y a le tigre et tout, ça m'avait cassé les... Bon, bref. J'arrive.
Avec mes 36 casques là. Ah là là, quelle misère. Mais bon, pas le choix. Il paraît que le son de ce casque-ci est bien meilleur que celui que j'avais avant, alors que celui-là, c'est un micro à 15$ qui traînait dans les cartons depuis 4 ans. Va comprendre, toi. C'est un truc de malade. Bon. C'est nice. Bon. Alors, on va aller là, non? Je ne me rappelle plus exactement, donc, de toute façon. Peu importe. On se merde. Alors, salut à tous, Maraja, pour moi le stage le plus chiant. Le fait toujours en premier. T'as un sparadrap que l'on enlève très vite. Oh, tu veux dire tu le fais en premier après les trois premiers niveaux quoi. Salut à toi Spidey. Alors je sais que voilà. Bon, après, on s'en fout un peu de l'ordre. Bah on s'en fout pas mais... Parce qu'il y a un ordre, quoi qu'il arrive donc... Ce que je veux dire par là c'est que l'ordre il nous sera imposé de toute façon donc... On peut faire ce qu'on veut en fait. L'ordre nous sera imposé quoi qu'il arrive donc. Je voulais pas aller là maintenant, moi. Bon, c'est pas. Enfin. Ah, salope, saloperie. Hein. Alors, tu non. Allez là, bien sûr. Le pôle sud. Saloperie. Petit pingouin. Ah, salaud. Piti saloupio. Get out. Thank you.
Ah merde, fallait s'accrocher à la ventouse, c'est vrai. Ça marche, Sibéa. C'est pas la bonne ventouse. What? Pourquoi? Ah, il a pas voulu la mettre en hauteur. Si, c'est la bonne ventouse. Hey! Bon. C'est pas grave. Bon, il y a des continues à l'infini, je crois. Hein. Je ne suis plus sûr. Ça va être remettre là en plus, franchement. Est-ce qu'il va revenir? Oui. Ah, c'est pas bon. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Allez en Égypte. Allez faire un tour en Égypte. Les piments. Encore un piment et ça fait quoi. Ah là là, c'te fou. Je me rappelais plus de tout ça, vraiment. Aïe, il y avait un poulet en plus qui m'aurait requinqué à mort. Dommage. Ah, j'adore. Voilà, petit poulet. Alors, c'est peut-être le Maharaja, hein, il a peut-être raison. Carrément. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Oh, on va devoir peut-être se taper le Maharaja, alors. Avant tout. Attends, je vais quand même retourner voir le Viking vite fait. Non, non, bah ouais, hop, non. Non, non, c'est bien ça. En fait, on n'a pas le choix, en fait, finalement. Je redécouvre. RE Cyber. Ah, c'est pas Castle of Illusion. Hein. Castle of Illusion, on l'a fini en même pas une heure. Une autre histoire. Bah alors, ouais. Ah oui, ça, faut se planquer.
Il me manque un piment. Il y a marqué en bas, là, les petites têtes de canard enragées, là. Il manque un piment et on pourra s'énerver. Ce joueur de pipeau, ouais. Clairement. Ah, c'est un plaisir de le refaire. Hein. C'est... Il y a tellement longtemps. What? Saloperie. Ah là là, les bruits typiques de la Mega Drive. Les sons typiques. On trouvera pas des sons comme ça sur SNES. Hein. Ok. Et la clé, je crois qu'on l'a en battant le tigre. Si mes souvenirs sont bons. Je vous offre un challenge. Détruire le tigre dans le jardin. La récompense sera donnée par le sphinx. Ouais. Ah, ah oui, c'est labyrinthique ici, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merde. C'est vrai, je me rappelle plus de l'ordre, hein, donc bon. Ça peut être compliqué comme ça peut passer direct. Hein. Ça peut passer au pif aussi, hein, de temps en temps. Ah ouais. Ah merde! Ah oui. Au secours! Avec ses ventouses, quel fou. Il est terrible. Eh, on va aller là, on n'a pas été là. Alors, il y a des passages, c'est assez étroit, ah, j'avoue. Putain, lâche-nous! Salaud! Eh, mais... Voilà, attends... Je crois que c'est là, hein. Oh la star. Merde. Merde. Ouah, t'es sérieux? Ah voilà, c'est bon, je... Pas dur non plus. Ok. Alors. Non, tu les immobilises seulement. Il y a que les boss que tu peux tuer. Je sais plus c'est combien de fois lui. Encore une fois je crois. Merde. Quoi? Ah! Je l'avais. Merde.
Ah putain. Bon, c'est pas grave, hein. Enfin, c'est pas grave dans le sens où on sait à peu près où aller, mais bon, vu que c'est labyrinthique, c'est un peu chiant, quoi. Donc on se refait le labyrinthe, quoi. Avec les joueurs de pipo, comme dirait Cyber. Les joueurs de pipo. Faudrait que j'arrive full. Bon, il est pas dur, hein. C'est pas qu'il est dur, hein. C'est pas ça. J'essaie de me rappeler pour pas perdre trop de temps. No. Ah si, c'est bon. Pour l'instant, j'arrive à me rappeler à peu près. Il y a peut-être plus court. Hein. Peut-être plus court. Hein. C'est là où... Non, c'est pas là, merde. Ah, faut tout recommencer quand c'est comme ça, putain, tu es... C'est une blague. Là, c'était bon. Ok. C'est pas là. C'est là ou quoi? C'est celui-là? Oui. Ah bâtard. Petit enfoiré. Ah, il me touche comme ça aussi. Hein. Il est muerto. Ça va, tu connais par cœur maintenant. Ouais, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Bon. Salut mon pote. Sphinx, tu veux. Une heure pour mourir. Comment ça, une heure pour mourir? Ouais, c'est en Égypte qu'on doit prendre ça. Ah, c'est clair. Non, bah après, quand t'as le pattern, il a même pas eu le temps de monter en hauteur, d'aller en haut, quoi. Dans mes souvenirs, c'est... Il est chiant, ce niveau. Dans mes souvenirs.
J'ai bien dans mes souvenirs. Hein. Peut-être qu'on va mieux y arriver dans le temps. Hein. Ok, tu peux marcher dessus. Ah non! Comme ça, c'est bien. C'est mieux comme ça, ouais. Carrément. En mode speedrun, c'est pas une bonne idée. Hein. Ouais, je le savais, putain, il marche des trucs, ça. Ouais, merde. Le mec, comment il gueule. Ah, merde. Oh. Ah, est grave. Ah, putain. Je me suis précipité ici. Voilà. On va pas trop se précipiter quand même. On peut courir. Enfin, on peut courir. Ouais, ouais. Il y a de l'arnaque hein, quand même, c'est évident. Double arnaque. Tiens non. Ah, j'aurais préféré me requinquer, moi. Putain, c'est dégueulasse. J'avais pas remarqué sa façon de se dandiner quand il monte les échelles. Bah, regarde quand il prend la pose aussi. Regarde. Regarde. Ça, c'est typique des bons jeux bien animés, quoi. Clairement. Ah, c'est du souvenir, quoi. Ouais. Ah, les jeux Disney, de toute façon... Tu te trompes rarement en vrai. Alors attends. Il me reste un point de vie, hein, c'est un petit peu dégueulasse. Je le savais. Allez, un petit peu de vie, s'il vous plaît, per favor. Ah voilà, j'en étais sûr. Oh! Oh putain! Ah ouais, infogramme, excellente animation. Excellente. Ah oui. Dur, hein, c'est vrai, faut dire ce qu'il est quand même. Mais... excellente animation, quoi. C'est clair. C'est clair. Les schtroumpfs, tout ça, j'adore, moi. J'adore. Je trouve pas spécialement dur, en plus, les schtroumpfs. Hein. Vraiment. Quand je le ferai sur SNES, vous verrez bien. C'est pas extrêmement dur. Hein. Faut juste connaître un peu et être à ce qu'on fait, quand même. La fourberie, quoi. C'était la fourberie, moi, que j'appelle ça, c'est tout. C'est ni plus ni moins de la fourberie, quoi. J'ai fait le con, là, un petit peu, quand même. J'ai fait l'andouille. Mais c'est de sa faute, il voulait plus avancer au bout d'un moment, l'enfoiré. Je jure que c'est vrai. Parce qu'il lui est arrivé, il a bloqué sur une marche. Voilà, ici. Eh, il a bloqué sur une marche. C'est une blague. Saloperie. Bon, je pense qu'on le finira en deux lives, celui-là. Je vais revenir cet après-midi dessus.
Tant que Internet me le permet. On va pas s'en priver, quoi. Une fois, pas deux. Hein. Ah, si, celle-là, je me suis pris dans le cul. On évite de se faire toucher. Attends. Ah, saloperie. Bon, déjà, on est mieux que tout à l'heure. On a 3 points de vie ici, c'est pas mal. Alors, faut pas tomber dans le feu, hein. C'est one shot. Hop, on se requinque. Moi, je la kiffe, la glissade, en vrai. Franchement. Faudra faire ça à l'autre aussi parce qu'il bloque sur une marche. Je sais pas pourquoi. Il bloque sur une marche, quoi. Point barre. Ici, voilà. C'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi il a bloqué sur une marche, enfoiré. Attends, on va essayer comme ça. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Hein. C'est plutôt pas mal même comme ça, en fait. Voilà, Ah, faut que je me fasse toucher quand même. Incroyable. Là, je peux pas, là, je peux pas, ouais. Hein? Tu peux pas? Ah, tu peux pas faire la glissade en hauteur? Que je peux comprendre. Merde! Alors, Renono, je viens te voir. Voir si tu... Si tu as accès à YouTube. Bah, chez moi, il bug. Alors, j'ai accès à YouTube, mais toutes mes playlists ne s'affichent pas. Donc, ça vient pas que de toi. Ça doit être YouTube qui fait une mise à jour, une connerie comme ça encore. C'est dégueulasse, ça, enculé. Comment tu veux passer? Putain, j'avais oublié qu'on pouvait courir. Les gars. J'avais oublié, les gars. C'est Mario. C'est Mario. J'avais oublié qu'on avait un bouton de turbo, putain. Ah, ça aurait pu m'aider dans certains trucs, ça. J'avais complètement zappé. Je comprends mieux maintenant, au secours. Alors... Bon, moi j'ai accès à YouTube comme je dis, mais j'ai pas accès à toutes mes playlists. Ça charge. Par contre j'ai accès à YouTube, mais...
Ah la vache. Deux zones. J'ai accès à YouTube. Mais ouais. Certaines de mes playlists ne s'affichent pas, ça charge en bas quoi quand je vais dessus. Ça. Ça fait 2-3 jours que c'est comme ça. Alors, il n'y a pas de password par contre, ça fait chier là. Est-ce que je laisse la console allumée pour le finir cet après-midi? Parce que là, je vais aller grailler. Ouais, je pense, ouais. Ah, salut Texas, bah t'arrives à la fin là. Je vais aller grailler. On a fini Castle of Illusion en 1 heure. Là, ça fait 1 heure et demie qu'on est sur Quackshot. Alors par contre, je peux pas éteindre la console. Si j'éteins la console, je peux pas revenir cet après-midi. Merci pour les bonnes apps, les gars. Si j'éteins la console, je ne peux pas revenir dessus cet après-midi. Obligé de tout recommencer, ce serait quand même dommage. Aïe aïe aïe. Je crois que je vais laisser la console allumée. De toute façon, je reprends. On va dire. Vers 15 h. Merci, Texas. Sinon, j'espère que tu vas bien. Je suis pas à 5 minutes, hein. Je vais fumer une petite cigarette ensemble, et puis, bah. Restez pour le raid. Si vous voulez, on va faire un petit raid à quelqu'un. Pour le soutien. Si vous voulez rester. Mais je crois que je vais laisser la console allumée parce que bon, bon j'aimerais bien le finir cet après-midi quoi. Ce sera en 2 parties pour celui-là. Ah, y a pas de souci. Bah ouais, je vais pas avoir le choix. Ah bah ça change la vie, ouais. Moi j'attends. Une autre box internet là, parce que j'ai eu quelques problèmes internet là, donc bon, voilà. Ça va me changer aussi un petit peu la vie, hein. En attendant de passer à la fibre. Donc, ce que je vais faire, comme je dis, je vais aller grailler, je vais laisser la console allumée, parce qu'il n'y a que des continues, mais il n'y a pas de password. Si je stoppe l'aventure, je stoppe l'aventure, quoi. Et tout a recommencé. Puis pour un peu qu'Internet me casse les couilles cet après-midi, ce serait ballot, quoi. Pour ceux que ça intéresse, hein, ouais, je reviens pour 15 h. Et on se fait la deuxième partie de Quackshot, quoi. On le démonte. Non, moi, je devrais déjà l'avoir, mais avec tout ça, avec le Covid et tout le bordel et tout ce qui se passe, beaucoup de retard. Donc je l'ai dans l'os, malheureusement. Et voilà quoi. Et en plus ils font plein de tests en ce moment, ils font n'importe quoi. C'est instable quoi. Là ça va, depuis 2 jours c'est revenu, j'en profite. En plus j'ai du temps devant moi donc j'en profite encore plus. C'est pas simple. J'espère que pour les fêtes ça va être nickel chrome. Ah, peut-être que j'aurais reçu ma nouvelle box. On croise les doigts. Hein. Je me suis pris la pop, là, la dernière de chez Free. Là. Alors, je sais qu'il y a un meilleur signal Wi-Fi, une meilleure extension de la Wi-Fi, mais ce sera toujours plus récent que ce que j'ai. Parce que ma Freebox, là, ça fait 4 ans que je l'ai. Elle commence à être fatiguée. Hein. Donc ce sera toujours mieux, forcément. On va être patient et on va faire... avec. Ouais, bah y a pas de souci, ouais. 15 h, on reprend le petit Quackshot des familles. Deuxième partie, je te dis, je vais laisser la console allumée. Comme je joue sur la vraie console, ben, bah, y a pas de save state, quoi. On peut pas. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne, quoi.
Donc, de toute façon, bon, voilà, hein, c'est... Ouais, t'inquiète. T'inquiète. C'est gentil pour lui. Il est à côté, là. Alors, je vais manger, là, tu vas voir comment il va. Il va se réveiller, là. Il dormait, mais... Il dort pas longtemps. Quand il s'agit de la bouffe. Je regarde juste un petit truc. Non, ça va, impeccable. Je lui ferai une bise de ta part. Il n'y a pas de souci. Bon, les amis, si vous voulez rester pour le raid, c'est le moment. On va voir qui c'est qui stream. Tranquillement. Ben, je vais vous mettre chez Megrouz qui fait du God of War. Un gars très sympa. Sur PS4. Ça marche, Texas. On va faire un petit raid à Megrouz. Fait partie de la Prestar TV. En l'occurrence, là, il est sur sa chaîne. Megrouz. Voilà. Je l'ai bien écrit. Sur ce, moi je vous dis à cet après-midi, pour ceux que ça intéresse, puis bon app à tous et à toutes. Merci d'être passé, merci pour le soutien à la chaîne. Et pour ceux qui ne seront pas là, bah, je vous dis à la prochaine. Tchuss. On va aller chez Megrouz. Il est là. Il est là le pépère. On laisse passer la pub et puis on va lancer. Comme d'hab. Ça fait toujours plaisir un petit raid des familles pour le soutien. Surtout chez les gens sympas. Ils font du bon contenu. Allez, c'est partouze.